Salut YouTube, salut la team. Déjà, je bug au début de la vidéo, ça ne le fait pas. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Ça fait bizarre de filmer après vous avoir laissé pendant 4 semaines sans filmer. Ce n'est pas du tout de moi. Tout simplement, c'est parce que je n'ai pas trouvé un seul moment à moi pour pouvoir vous sortir une vidéo. Pour celles et ceux qui penseraient que je vous ai mis de côté, non, ce n'est pas du tout de moi, ce n'est pas du tout de moi de faire ça, ce n'est pas du tout le cas. Simplement, ben, comme vous le savez, et si vous ne savez pas encore, je suis maman, et donc du coup, je n'ai pas eu le temps de trouver un seul moment pour vous filmer une vidéo, ni sortir une vidéo d'avance. Donc ça, ce n'est pas du tout de moi. Dorénavant, ce que je ferai, c'est que entre le dimanche et le dimanche d'après, je filmerai, donc cette vidéo que vous voyez là sera pour dimanche, et je tenterai aussi d'avoir un moment pour filmer une seconde vidéo, histoire d'avoir une vidéo déjà prête pour le dimanche d'après. Donc dans la semaine, du coup, je tenterai de filmer deux vidéos, au moins si j'ai un imprévu ou si j'ai quelque chose qui me permet pas, qui ne me permet pas de pouvoir filmer, eh bien au moins j'aurai une vidéo d'avance et il n'aurai plus qu'à faire le montage pour pouvoir vous sortir la vidéo et que vous ayez au moins de quoi regarder le dimanche d'après. Donc maintenant je travaillerai dans ce sens là. Donc aujourd'hui, désolé d'avance, je tenterai de me refaire. Donc du coup, nouveau décor, nous sommes dans mon bureau. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite après. Vous savez, et si vous passez par là, c'était dans la dernière vidéo ou dans la vidéo d'avant, je vous avais dit que je ferais de nouvelles vidéos basées sur de toutes nouvelles playlists. La vidéo que vous allez voir juste après va faire partie d'une toute nouvelle playlist intitulée objet insolite ou objet WTF. TF, c'est ça. Donc objet what the fuck. Je vous ai trouvé pas mal de petites pépites. Là, tout simplement, dans la vidéo d'après, j'ai la personne qui a créé les objets, mais je n'ai pas la description en eux-mêmes des objets. J'ai juste leur nom, mais aucun texte sous chacun des objets. Je pense qu'on va s'amuser ensemble à leur trouver une signification. Ce sera beaucoup plus drôle que de lire chacun des objets que je vais vous présenter. Donc c'est parti. Avant que la vidéo commence, lâche un gros pouce bleu si tu veux une deuxième partie. Je vais pas donner un grand pouce, mais à 50... au maximum de pouces bleus que vous pouvez lâcher sur cette vidéo, je fais ma deuxième partie parce que je ne compte pas m'arrêter ici. Donc lâche tes plus gros pouces bleus avant de voir le début de cette vidéo. Et je te dis à tout de suite et bonne vidéo, bonne lecture à toi. C'est parti. Donc là ici, je vais juste vous lire la description de celle qui a créé, la designer de ces objets insolites. Et puis ensuite, on s'amusera, comme je vous l'ai dit, ensemble, à leur trouver une signification. Ça sera beaucoup plus drôle. Donc ici, il s'agit de du designer Caterina Campani, qui crée des objets pour le moins fonctionnels possibles quand ils ne sont pas totalement inutilisables. Fort de son succès médiatique et de ses créations, elle imagine et modélise ces objets virtuellement depuis 2011. C'est une architecte qui est basée à Athènes et qui édite cette année sa toute première collection. Donc on nous dit qu'elle a fait des études de design elle décide de combiner sa frustration de son échec, vu qu'elle n'a pas réussi ses études, avec son intérêt inné pour les objets les plus banals
du quotidien afin de donner naissance à la collection The Uncomfortable. Sa démarche vise à créer des pièces aussi ironiques que déconcertantes. Si jamais vous voulez le lien de ces objets, je vous le mettrai en description. C'est parti pour la découverte de ces objets what the fuck. Tout d'abord, nous avons The Long Mug. Alors, est-ce que vous vous en serviriez pour boire du thé ou du café? Et puis d'abord, dans quel sens boire du thé ou du café? Sur le long côté, ça va couler partout. Sur le petit côté, c'est vraiment pas très pratique. Perso, de ces longs mugs, je ne sais pas vous, mais moi je m'en servirais pour planter par exemple des graines de... Je sais pas, des petites graines de blé, des petites graines de lentilles, des petites fleurs. Je ne m'en servirai pas en mug, mais plutôt en pot pour petites plantes. Dites-moi ce que vous en feriez, vous. Tiens, pour chacun des objets, vous allez me dire ce que vous en feriez. Comment est-ce que vous vous servirez de chacun des objets que je vais vous présenter aujourd'hui? Tiens, dites-moi ça en commentaire, on va jouer ensemble. On va jouer ensemble et dites-moi ce que vous ferez. Comment vous vous serviriez, vous, de ces objets présents sur cette vidéo? Ensuite, apparaît la Sleep Moon. Alors, comment... Ouh, petit coquin, on ne triche pas. Comment vous dire si vous mangez avec ça, c'est pas sûr que vous arriviez à terminer ce qu'il y a dedans. Comment vous dire, comment s'en servir? C'est pas facile. À part en faire, je sais pas... une cuillère doseuse, je ne sais pas. Ou alors vous la suspendez au mur et vous y accrochez des choses, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire sur cette slipper soon. C'est vrai qu'on dirait slipper comme une chaussure, hein, vu qu'elle est le dessus de la cuillère qui est fermée. Mais alors là, comment faire, comment s'en servir, c'est compliqué. C'est très 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 bizarre. Pour la suite, dites-moi comment vous vous en serviriez, vous. Pour la suite apparaît de Uncomfortable Key. Alors déjà qu'on galère avec nos propres clés parfois, comment vous dire qu'on ne va pas galérer avec celle-là? Déjà on met 40 ans à trouver la bonne serrure avec la bonne clé. Enfin moi personnellement, pour la cave en tout cas, je ne sais pas vous. Ou quand on est mal réveillé, ça nous arrive aussi. Comment est-ce qu'on va faire? Comment on va la tenir? On va tenir notre clé comme un volant pour ouvrir et fermer notre porte. Et puis à ce moment-là, t'as le voisin qui passe, tu vois, et qui te dit, mais il te regarde bizarre, mais qu'est-ce que tu fais? Non, bah ne vous inquiétez pas, j'ai reçu une nouvelle clé, je m'en sers comme d'un volant pour fermer ma porte. Ah, d'accord, au revoir. Oups. Bon, bref. Et vous, qu'en pensez-vous? En plus, il y a le... Vous voyez là? Pour attacher la clé, le trou est là en bas. C'est pratique. Apparaît ensuite, alors là, de Engagement Mug. Les mugs mariés. Alors là, comment vous dire que si vous mettez de la boisson, c'est fichu pour la blanche et pour la grise? Puis c'est fichu pour vous et pour votre partenaire, ou alors pour votre famille, ou pour votre conjoint, n'importe qui. Vous ne pouvez pas mettre du liquide dans la blanche et boire dans la grise. C'est soit vous en mettez pas, soit vous en mettez dans une seule, soit vous en mettez dans aucune des deux en fait. Parce que si vous en mettez dans la blanche, la grise va gêner. Si vous en mettez dans la grise, la blanche va gêner. Donc, comment faire en fait? Là c'est vraiment très pratique. Comment faire? C'est le coup où tu amènes tes copains ou tes copines ou des amis à la maison
Et tu leur sors les tasses, tu les utilises devant eux. Et là, ils te regardent boire bizarrement. Ils vont te dire, t'es sûr que tu vas y arriver? Et toi, tu dis, oh oui, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Alors que tu connais même pas ces tasses, tu sais. Bref. Ne leur fais pas essayer, sinon je sens la catastrophe. Hein. Et vous, vous vous en serviriez comment? Alors là, pour ceux qui jardinent, ou pour ceux qui ont un petit balcon, hein, n'allez surtout pas l'acheter. N'allez surtout pas l'acheter ni le créer. Hein, surtout pas. Voici l'arrosoir ultra tendance. Voici l'arrosoir ultra tendance à utiliser de toute urgence. Arrosoir dit Uncomfortable Watering Cam. Vite, 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 courons tous l'acheter en magasin avant qu'il y ait rupture de stock. Comment vous dire? On fait comment pour arroser les plantes? Non, parce que quand l'eau elle arrive, elle monte dans le tuyau. Et puis en fait après, et non, elle peut même pas monter dans le tuyau. Parce que il faudrait que le truc soit là-dedans. À moins qu'il y ait un trou qui permette à l'eau de monter dans le tuyau. Mais alors après, tu fais comment pour arroser tes plantes? Parce que si t'arroses tes plantes, t'arroses tes pieds en fait avec. T'es obligé de prendre une bassine parce que si t'arroses tes plantes comme ça, tu t'arroses les pieds. Puis les vêtements aussi avec. Tu fais comment? À courir de toute urgence avant rupture de stock. Vite, vite! Alors là, du coup, bon. Je passe celui-là en premier parce qu'il y a un autre objet à côté. Celui-ci s'appelle. S'appelle. Zut, je n'ai pas le nom. Alors attendez. Il s'appelle. Ben, je n'ai pas le nom non plus. Donc, du coup, vous avez ici une assiette. Avec une fourchette, comment dire, un peu désaxée. Hein, un peu modelée. Un peu. Toute molligate. Comment tu fais? Parce que si tu attrapes la fourchette avec le maillon au milieu, t'es sûr de rater ta bouche et de rater tout en bas plat, quoi. Tout en bas plat comme un œuf. À moins que tu l'attrapes par ici ou par là. Tu fais comment? C'est vraiment très pratique. Là aussi, il faut courir de toute urgence, l'acheter dans les magasins avant rupture de stock. Ou bien, au pire, tu t'en sers d'un collier. Hein. Tu passes la chaînette autour de ton cou. Comme ça, d'un côté, tu as le manche. Et puis de l'autre, tu as les dents de la fourchette. Ça donne un effet de style assez classe. Voilà, hein, au pire. Et puis enfin, alors il s'agit de couverts. Vous allez me dire, oui, mais alors là, les couverts, il y a quoi de bizarre? Il y a quoi de bizarre? Eh bien, jugez-en par vous-même. Il y a quoi de bizarre? S'il te plaît, tu fais comment pour piquer tes pattes avec la fourchette? Tu fais comment? Parce que t'as vu l'épaisseur des dents un peu? T'as vu l'épaisseur des dents? Puis t'as vu l'épaisseur de la cuillère aussi? Encore la cuillère, tu arriverais à prendre une ou deux gouttes à l'intérieur. Va manger ta soupe. Va manger ta soupe avec la cuillère. Un grand bol rempli. Je sais pas combien vous en buvez de soupe, mais va manger ta soupe, un grand bol avec cette cuillère. Au bout d'une semaine, tu y es encore, en fait. Et puis le couteau là. Comment tu fais, s'il te plaît, pour couper? Non, parce que je sais pas si tu as remarqué, en fait. Mais les dents du couteau. Regarde. Je sais pas si tu as fait attention à ça. Les dents du couteau, là. Regarde. Je te rapproche. Tu vois? Elles sont ici, là. Mais en fait, elles continuent sur la montée. Tu fais comment en fait?
C'est quoi le truc? Pourquoi faire? C'est l'escalier du... C'est l'escalier de... Hein, ça sert à quoi? T'as un côté pour couper le pain et l'autre pour... Ça sert à quoi? À rien? Ma foi. Dites-moi si vous arriveriez à manger avec ça, vous. Hein, c'est l'escalade miraculeuse, le couteau, ou c'est comment? Pourquoi faire, en fait? Pourquoi, comment, et surtout pourquoi faire? Sur ce, j'espère vous avoir régalé avec ces objets aussi incontournables, aussi insolites, aussi incompréhensifs les uns que les autres. J'espère vous avoir fait un peu rigoler. N'oubliez pas de mettre un commentaire pour vous dire, pour me dire comment vous vous serviriez, vous, de chacun de ces objets. Un max de pouces bleus pour la partie 2. Parce que moi, je me régale à faire ce genre de vidéo, personnellement. On dit pas moi, désolé. Donc, un max de pouces bleus pour la partie 2. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, de vos proches. Et je vous dis à très vite pour la suite. C'était Anaïs de la chaîne Cosmétiques et Compagnie. À bientôt. Ciao, ciao. Bisous.